Coucou à toutes et coucou à tous. Donc, me revoici pour une courte et simple et facile vidéo de coiffure, ok? Donc, il y a une multitude de façons pour terminer l'arrière. Donc, moi, j'ai voulu terminer l'arrière ainsi, avec un faux puff volumineux, vu que mes cheveux ne sont pas aussi longs que certaines youtubeuses ou certaines filles plus en général. Et donc, voilà. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur l'astuce comment avoir un faux puff volumineux quand on a les cheveux courts. Donc j'ai repris cette méthode plus ou moins. Et pour vous dire tout simplement avant que vous visionniez cette coiffure, c'est que l'arrière, vous pouvez le travailler comme vous voulez. Soit vous faites un demi-afro libre, soit vous faites un puff, soit vous faites un chignon, soit au lieu de le faire bas, votre puff, vous pouvez le faire un peu plus en haut pour avoir un peu plus de volume. Bon, bref, il y a de multitudes de façons de terminer cette coiffure, mais j'ai trouvé vraiment la frange tortillée plate devant super jolie. Donc en ce moment, je suis dans un délire où j'aime beaucoup les franges tressées ou les franges vanillées ou les franges tortillées. Voilà, une frange quoi. C'est mon délire en ce moment, donc voilà mon idée de coiffure. J'espère que ça va vous aider et que la coiffure va vous plaire. Donc, sur ces petits mots, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Bye bye.